Donc, logiciel, software. Ici, nous avons le programme Shortcut que nous allons ouvrir. On voit les différentes étapes pour créer un programme. Donc ici, nous allons créer un nouveau programme. Également, on ouvre un si on avait déjà créé. On choisit donc le data logger. Ici, vous avez beaucoup de choix. Nous, le nôtre, c'est celui-là. On va choisir un intervalle de scan. C'est l'intervalle à laquelle la station va prendre des mesures. Nous, on le met à 60 secondes. C'est ce qui va influencer sur l'autonomie du boîtier de pile. On continue. Bon, nous voilà dans la partie capteur. Donc ici, nous avons différents capteurs. Il faut donc insérer les capteurs que nous avons branchés. Nous avons donc, voilà, donc là on a nos différents capteurs. On commence par la direction du vent, par exemple 3002 ici. Mètre square, mètre seconde. C'est bien. Ok. Hop, on va apparaître ici. Quand on va faire des précipitations, donc là on voit que nous n'avons pas, on a beau regarder notre OG, alors je sens, donc on peut prendre ici ce capteur qui est un générique tipping bucket rain gauge, donc on aura la pluie en millimètres, un type est un nombre de bascules, donc nous avons 0,2 mettre par bascule et donc nous sommes en millimètres par voilà. Et là on fait ok millimètres. Il nous manque enfin la relative humidity et température, nous avons CS215 ici. Air température en degré relative humidité. On est bon. Ok. Et voilà, nos capteurs sont installés. Bon. L'étape suivante. Si c'est le dossier de sortie, on va pouvoir prendre nos capteurs ici et les envoyer vers une table. Ce sera une table de résultats. On va l'appeler. Oui. Donc, envoyer ça ici. On va demander la moyenne ici. On va demander la direction du vent ici. On va demander la pluie ici totale. On va demander la température ici, average, et enfin l'humidité. On va demander simple. On a 5 dans les entrées. On peut finish. Ici, on peut juste l'appeler. Enregistre. Was created successfully. Do you wish to send the program to a data logger? Si vous êtes connecté à la station météo, yes.